I'd like to call up the great, the one and only Alan Tunzi on drums to sit in. Yeah, let's hear it. Come on. Yeah. Yeah, that's what I'm talking about. Thank you.
Alan Tunzi on the drums. He's also the owner of La Note Blue, but he is the famous Alan Tunzi, the drummer. Yeah, no, that's right. Merci beaucoup. We're going to take a short break, and we'll be back to play some more music. Thank you very much. Moi, je voulais juste vous dire un petit mot. En fait, une petite anecdote. Une petite anecdote. Lorsque j'étais adolescent et que j'ai grandi, mon père était batteur, donc j'avais la batterie à la maison. J'ai commencé à jouer, mais j'ai jamais vraiment fait la musique, la profession de la musique. Il se trouve que lorsque je jouais à chez moi, seul à l'époque, je jouais beaucoup sur, au début, les grands orchestres, Count Basie, je me prenais pour le batteur de Count Basie quand je jouais, c'était formidable. Et après est arrivée la musique de Bill Evans. La musique de Bill Evans, pour moi, c'était quelque chose de nouveau qui arrivait, c'était vraiment une nouvelle musique à l'époque. Et moi, j'ai adoré tout de suite ces disques, donc j'ai acheté ces disques. Et j'ai joué sur ces disques. Et j'en ai parlé à mon père. J'ai dit, tu connais ça, Bill Evans? Il me dit, non, parce que ce n'était pas sa génération. Et il appréciait vraiment beaucoup aussi. Et quand je jouais avec Bill à l'époque, dans ma cave, là, Enfin, j'étais le batteur de ce monsieur. Et puis, je me disais, ben voilà, je joue avec lui par l'intermédiaire de disques et c'est formidable, quoi. Mais bon, ça s'arrêtait là, quoi. Et quelques 35 ans plus tard, voilà, donc on a réalisé ce magnifique lieu avec mon épouse il y a 14 ans maintenant. On a la chance de pouvoir y accueillir des tonnes de musiciens et des gens vraiment exceptionnels qui sont autour de nous, qui font ce festival et tout. Et aujourd'hui, je viens de réaliser là, devant vous, j'ai partagé devant vous un rêve de gamin. Et j'espère que vous avez vraiment partagé ce moment de bonheur qu'on vous a donné ce soir. Voilà, c'est ce que je voulais dire.